Pour Airbus, c'est une très très bonne nouvelle. US Air, compagnie américaine jusqu'ici fidèle cliente de Boeing, va voler européen puisqu'elle achète 120 avions à Airbus. Des A319 et des A321 fabriqués en Allemagne, mais aussi des A320 fabriqués à Toulouse. Et ce n'est qu'un début, 120 autres Airbus dès 98 et US Air a pris une option sur encore 160 autres appareils. C'est une lettre d'intention, certes, dont le contrat restera à finaliser, puisqu'il y a des détails à finaliser. Nous allons donc, s'il est finalisé, comme je le disais, avec toutes les options comprises, c'est à terme un contrat de 400 appareils, qui est un chiffre assez très très important. Au total, s'il s'agit bien de 400 avions, un contrat de 60 milliards de francs. C'est aussi une bonne nouvelle pour les salariés d'aérospatial qui fabriquent la 320. Cette commande, c'est peut-être du travail assuré jusqu'en 2002. Pour moi, personnellement, ça m'apporte un peu plus de sécurité, peut-être dans ce qui sera ma vie future, quoi, dans le domaine de l'aéronautique. Ça me fait très plaisir, bien sûr. Enfin, je trouve que c'est un peu beau pour être vrai. Malgré les commandes, notre avenir, ça reste assez incertain, quoi. Je sais pas, c'est pas gagné quand même. Logiquement, des embauches, il devrait y en avoir. Airbus, qui produit actuellement 9 avions par mois, devra doubler sa production d'ici à 98. Mais la commande arrive quand même trop tard pour stopper le plan social actuel, 1500 postes supprimés au moyen de départs en retraite et en pré-retraite.